Alors, bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire pour lire, si vous avez un BIOS sur une carte mère, pour lire un BIOS, ou si vous voulez carrément le reflasher. Donc déjà, il faut situer le BIOS sur une carte mère. Alors, il peut se situer carrément, par exemple, je vais vous induire en erreur, parce qu'il n'est pas fait du tout comme ça. Enfin, des fois, il est, c'est un peu ça, quoi, mais enfin, ici, voilà. Mais bon, c'est pas ça du tout, hein, mais donc ce qu'il faut faire des fois, il faut prendre une pince comme ça là, et puis on pince la puce sur la carte mère. C'est le plus courant. Mais. Et là sur cette carte mère là, mais j'ai un coup de chance. C'est une carte mère assez ancienne. Enfin, c'était quand même un Xeon qui était dessus. Mais bon, j'ai un petit coup de chance quand même. Le BIOS il était ici, donc il était inséré, donc j'ai pu le récupérer en soulevant. Voilà, c'est une carte mère qui est morte de toute façon. Et le BIOS, donc je l'ai mis dans mon adaptateur pour le lire. Voilà, donc je l'ai mis comme ça. Et derrière, on voit bien marqué 25 SPI BIOS. Voilà. Là, ce qu'on fait, on ouvre le logiciel pour la lecture. Donc, on ouvre le logiciel. Voilà. Là, il faut bien choisir 25 SPI Flash. Là, les cases, pour le moment, il n'y a rien. Parce qu'il ne trouve pas de puce. Il ne trouve même pas l'adaptateur, il n'est pas branché. Et là, les cases sont grisées parce que, ben, il n'est pas encore branché. On va le brancher. Alors, je branche une rallonge pour ça, moi, il n'y a pas de jeu. Voilà, il est branché. Il est allumé. Et là, les cases ne sont plus grisées. Donc, certains qui disent de faire détect. Moi, je ne fais pas détect parce que ça me fait des erreurs. Moi, je fais carrément read. Donc, je vais lire la puce en fait. Et voilà, c'est parti, salut la puce. Donc, running, il est à 14%. Alors, ça dépend de la vitesse de votre processeur ou de votre ordinateur. Des fois ça va vite, des fois ça va pas vite. Il est en train de lire la puce. Et là, tous les FF et les 0 vont être remplacés ce qu'il y a dans la puce, quoi, dans le BIOS. C'est pour pouvoir récupérer le BIOS si par exemple vous ferez une mise à jour du BIOS comme ça, c'est assez pratique ça. J'ai même réparé une carte mère comme ça, le BIOS s'était effacé, ou il y a un mauvais flashage, je sais pas. Et j'ai pu remettre le BIOS et ça marche impeccable. Donc là, donc ça récupère les données du BIOS, enfin les données qui sont dans la puce. Et après ça va les vérifier. Voilà, hop, il passe à une autre étape, maintenant il vérifie. Donc on voit bien que là ça a changé. On a c'est la lecture du BIOS. Donc ça a changé, bien évidemment. L'hexadécimal a changé. Heureusement. Et ce BIOS là, ben, je l'ai sauvegardé si quelqu'un un jour le veut. Parce que comme la carte mère est morte, et ben, pour récupérer le BIOS, quoi. Après, les BIOS, on peut les récupérer, il y a une tactique. Moi, je les récupère sur les sites internet pour vous avez carrément chez le fabricant et puis vous récupérez le BIOS quand vous flashez vos cartes mères. Donc là, il vérifie. Voilà, c'est bon. Donc là, vous pouvez faire File, Save, et là, vous enregistrez votre BIOS au format BIN. Je peux le faire, j'ai déjà fait.
Voilà. Voilà comment récupérer le BIOS d'une carte mère. Pour la réparer s'il y a un problème. Donc pareil, pour si on a le BIOS, on fait open, on récupère le BIOS et puis on fait write. C'est tout, écrire. Hop, voilà. Voilà, et c'est un outil qui est super pratique et j'ai sauvé une carte mère comme ça et je suis assez fier parce que. Et on voit même le firmware que j'ai récupéré, je sais plus ce qu'il est, justement il est plus. Je sais plus ce qu'il est, mais j'ai un seul récupéré et j'étais vraiment content. Voilà, allez, ciao.